Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Grand Format, c'est une tranche de Contact Pro Live que vous suivez. Merci en tout cas d'être nombreux, de nous encourager. Merci pour tous ceux qui sont en train de s'abonner sur cette chaîne. Je vous suis vraiment reconnaissant parce que sans vous, cette émission n'aura pas lieu, sans cette émission n'aura pas de sens. Surtout lorsque je reçois vos réactions, lorsque je reçois vos abonnements, bien sûr, lorsque je reçois vos commentaires sur ce que nous disons ici, ça nous met vraiment en confiance que nous sommes dans le bon. Alors, réaction d'aujourd'hui, nous allons réagir sur deux grands sujets d'actualité que j'espère que vous attendez. Nous sommes dans la période électorale, c'est-à-dire que les candidats à président de la République se sont lancés dans la campagne pour les élections de 2020. Donc, nous allons réagir sur un sujet et que vous aviez lu dans le titre ici sur le programme que notre ami et frère et que nous aimons bien, Bossembe, qui est à la régie des régulations de médias et tout ça. Donc, il avait lancé un sujet que nous avions supporté et que nous avions dit que c'était bon. Nous allons parler de ça et nous allons parler aussi de la renouvellement de la classe politique. Ce qui est en train de dire ou bien de prôner les candidats. Les candidats présidents de la République dans leurs campagnes électorales. Vous êtes en train de suivre les discours des uns et des autres, mais vous vous posez la question souvent. Qu'est-ce que nous parlons ici? Les autres parlent de la reconstruction, les autres parlent de la refondation, les autres parlent de la redynamisation, les autres parlent de la continuation de l'action qu'ils ont commencé pour les présidents sortants. Donc nous allons parler sur ce sujet-là. Mais pour le deuxième sujet que moi je vais vous dire ici, c'est que nous allons vraiment faire une émission élaborée sur la continuation ou bien le recommencement à zéro de notre classe politique ou bien de notre Congo. Alors, sans plus tarder, nous allons passer donc à ce premier sujet qui nous préoccupe tant. Pourquoi nous avions d'abord appuyé et puis supporté ce que l'idée de Bossembe était d'appeler les candidats présidents de la République de venir s'expliquer Baya Koyi, Lobelaba Congolais, Bazaba Nani. Ils devraient se répondre à cette question-là. Il faudrait qu'il y ait des camps de journalistes devant eux pour qu'ils posent la question et qu'ils puissent se dévoiler et parler effectivement de leur programme. D'abord, allons-y sur le plan thématique, disons, sur le plan informationnel de ce programme-là qui a été conçu. Maintenant, aujourd'hui, que ça ballonne, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et je vous dirai pourquoi, lorsque je vais vous terminer à vous dire pourquoi est-ce que nous avions supporté ce programme-là à ce que les candidats puissent se défiler, nous parler d'eux-mêmes, nous parler de leur programme, nous parler de Congo, le Congo de demain. Pourquoi nous avons... D'abord, premièrement, c'était une occasion à ce que les Congolais puissent connaître leurs dirigeants. Ça, c'est de un. De deux, c'était pour que les Congolais puissent savoir si ces dirigeants-là connaissent vraiment le réel problème du Congo. Par les questions que les journalistes auront à poser aux candidats, il aura à s'exposer, il aura à dire ce qu'il pense de sa vision pour que cela puisse rester ancré dans la tête des Congolais que Mutunabiso Otokotiana Liboso Nabiso Ayebi Makamboaza Kosala. Et ça devrait être une opportunité pour que Batunyoso Balanda et puis que ces candidats-là puissent convaincre aussi l'opinion congolaise en leur disant que je suis le bon, que je suis l'homme parfait que vous attendez. C'est moi qui va faire ceci, c'est moi qui va faire cela et je veux m'y prendre comment. C'était une bonne opportunité. Mais aujourd'hui, comme Bossembe est désillusionné, mais pourquoi maintenant Batouba Komiko désister Likambouana? Qu'est-ce qu'on reproche finalement à Bossembe? On lui reproche que les journalistes en question, qui sont là, qui l'a choisi, sont des journalistes à une seule tendance, donc la tendance au pouvoir. Ces genres de journalistes ne pourront absolument pas être... faire le travail. Pourquoi? Parce que nous connaissons Bande Kotoyebani.
ba journaliste toyebani toyebi ke oyo azana tendance boy oyo azana tendance boy. Alors la plupart des reproches qu'on fait sur cette option que Bossembe sur le choix des journalistes, c'est que ces journalistes sont tendancieux à supporter le pouvoir. Ce sont des journalistes qui ne sont pas vraiment des journalistes que nous connaissons, que ces gens parlent pour le peuple. Beaucoup d'entre eux sont cooptés déjà pour le pouvoir. Donc c'était ça la première question. La seconde, c'était que lorsqu'ils vont faire les émissions, ces émissions-là ne seront pas en direct. Et l'émission sera montée comme nous le faisons maintenant et rediffusée après. Mais qu'est-ce qui se passe entre montage? Connaissant déjà que ces journalistes-là sont des journalistes qui sont d'une seule tendance et que ces images-là ne seront pas en direct, ces images-là seront peut-être ciselées ou bien fait. Il y aura peut-être des opérations afin que de faire passer ces histoires-là pour qu'on puisse dire que ce monsieur ici il n'a pas bien dit, on corrige. Il y a des choses qui se passent au montage des vidéos. Et donc, c'est ça la raison que beaucoup de gens aussi se plaignaient pour ça. Et troisièmement, vous savez que le média congolais aujourd'hui, il est vraiment, surtout la RTNC, elle n'est pas crédible. En tout cas dans la population, si vous suivez le tendance, si vous suivez les sondages, cette média-là, elle ne met pas en confiance le peuple congolais. Et surtout, ce président, ce candidat à la présidence de la République, parmi eux, jamais il y a de ceux-là qui ne sont jamais passés à la télévision congolaise, donc à la RTNC. On n'a jamais donné l'opportunité à ce que ces gens-là parlent à la télévision congolaise. Comment est-ce que maintenant, là, on va leur donner cette opportunité? C'est ça, soit là, des questions qu'ils se sont posées en disant que non, nous ne pouvons pas aller sur ce média-là. D'ailleurs, lorsque nous les invitons, lorsque nous faisons les activités, ils ne viennent pas. Ils sont pratiquement un média qui est coopté par le pouvoir. Ainsi donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Beaucoup de gens, beaucoup de ces présidents de la candidats présidents de la République que nous suivons, ils se sont dit, autant mieux aller dans ce qui est populaire pour l'instant ou pour justement rencontrer le peuple congolais. Et c'est où? Beaucoup d'entre eux ont choisi Top Congo. Et d'ailleurs, il y a des programmes qui se passent maintenant à Top Congo où Jean-Marie Kassamba est en train de recevoir les candidats de la République et leur poser des questions. Des analyses se font très bien sur Top Congo que sur d'autres médias. Tout ça pourquoi? Parce que nous pensons, ça c'est maintenant ma pensée, c'est que nous avons diabolisé nous-mêmes nos télévisions, nos radios-télévisions. Nous n'avons plus confiance peut-être à la RTNC. La RTNC a une certaine tendance. Si vous voulez suivre les histoires du gouvernement, c'est leur média. On ne parle pas d'autre chose que ce que fait Félix, ce que fait ceux qui sont au pouvoir. Et ce qui se passe là-bas, vous allez le voir que ce sont peut-être les images ne sont pas bonnes, le professionnalisme. On reproche beaucoup de choses à la RTNC de façon que ces gens-là se sont rétractés en disant ce n'est pas là. Et ce n'est pas à la RTNC que vous allez espérer rencontrer toute la foule qui voudrait vous suivre. Si vous voulez atteindre beaucoup de gens, sur le plan des suivis de télévision, en tout cas la RTNC est parmi les derniers. Est parmi pratiquement les derniers. Alors, qu'est-ce que moi je pense que Bossembe devrait faire? D'abord, les recommandations qui lui ont été données, c'était qu'il fallait qu'il y ait un débat contradictoire. Donc, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Moi je suis en train de faire une analyse de façon que vous puissiez comprendre là où je veux en venir. On reproche donc à ces programmes-là que ça sera peut-être un monologue, c'est-à-dire que vous me posez les questions dont je suis capable de répondre. Vous ne me posez pas les questions plus pertinentes. Pourquoi? C'est pour cela qu'il y a eu choix des journalistes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les journalistes des réseaux sociaux par exemple? Et c'est là où vous allez trouver ceux qui contredisent le pouvoir, ceux qui disent peut-être la vérité, qui n'habillent pas, qui vraiment vont en guerre sans gants. C'est là où vous allez trouver des journalistes comme l'Israël Mutombo, il y a beaucoup d'autres, il y a ceux qui, les CMLTV, tout ça. Donc il y a beaucoup de journalistes qui peuvent vous poser des questions très pertinentes et qui vont en fond à comble. Sur Top Congo aussi, on a choisi certains des journalistes, mais
Beaucoup de ces candidats présidents reprochent aussi à ces journalistes de Top Congo qu'ils ne sont pas vraiment des camps. Même si Jean-Marie Kassamba a accepté ce que ces journalistes-là puissent aller là-bas. Même lui-même a déjà décliné l'offre que Bossembe a donnée. Et donc, c'est ça justement la désillusion dont je veux parler ici pour notre ami Christian. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet instant? Parce qu'il y a 4-5 déjà qui se sont détractés et nous pensons aussi que la liste sera longue. Beaucoup de gens ne viendront pas à l'arrêt RTNC. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont des images qui seront montées. Et il fallait peut-être plutôt revoir maintenant la façon de faire. Peut-être inclure certains de ces réseaux sociaux qui sont célèbres, bien sûr, qui sont dans l'opposition radicale, les amener dans cette groupe-là des journalistes qui devraient interviewer ces présidents. Ces journalistes-là qui n'auront pas peur de ces personnalités en leur posant des questions directes, il fallait les inclure. Et les journalistes-là, on les trouve où? Sur YouTube. On les trouve où? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous allez voir d'autres. Quand vous suivez ces émissions, comparativement aux émissions, par exemple, qui se passent à la RTNC, c'est le jour et la nuit. Voilà un peu ce qui m'a gêné et que moi, je me suis dit, il fallait peut-être recomposer, deal aussi avec les réseaux sociaux, en disant que non, ok, nous suivons les réseaux sociaux, mettons un peu les radicalistes des réseaux sociaux dans ces groupes-là de 12 ou 16 journalistes, pour qu'il y ait beaucoup de ces réseaux sociaux, parce que c'est là où beaucoup suivent, c'est là où vous allez voir que beaucoup de gens ne suivent pas la RTNC à cause de quoi? À cause de la qualité des images d'abord qui nous montrent à cause de la tendance à pérenniser le pouvoir en place. On ne parle pas de l'opposition sur la RTNC. Donc ça c'est de un. Et de deux, je pense aussi qu'il y a le format en disant que quelqu'un va venir répondre aux questions. Je crois aussi que ce n'était pas bon, mais il avait justifié ça en disant nous avons 26 candidats, comment est-ce qu'on va les mettre en contradiction? Il y avait moyen. Moi, selon moi, je pensais que peut-être faire aussi à ce que choisir, mettre par exemple 4 candidats présidents de la République et le mettre en face, 4 groupes de 4, et faire un tirage au sort de ces groupes de 4-là en disant, bon, vous êtes 26, vous allez vous opposer par exemple à tel. Et on fait un tirage au sort. Et cela tombera, par exemple, 4 candidats qui ne se connaissent pas et qui pourront peut-être débattre sur des questions principales ou une matière en disant qu'est-ce que vous en pensez. Et une émission de 2 heures du temps, ça pourrait être capable, ça pourrait être possible. C'est ce format-là que je pense que beaucoup de candidats présidents de la République voulaient entendre et voulaient voir s'il pourra être en face de Félix Tshisekedi pour lui contredire ou bien être en face de Katumbi pour le contredire. Voilà un peu le format que moi je pensais que ça pourrait peut-être arranger et qu'on pourrait réformer. Mais maintenant c'est trop tard, la campagne est lancée et donc maintenant Bossembe va se mordre les doigts. Comment ces pré-candidats de président de la République ne viendront pas répondre à son invitation? Étaient-ils ces candidats obligés de venir là-bas? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas quoi que ce soit. Mais c'est une leçon à retenir dans la mandature prochaine, que peut-être les députés qui seront élus, lorsqu'ils feront la loi électorale, inclure cette histoire-là. Qu'importe le nombre de candidats qui peuvent être là, mais vous les placez en groupe de 4, en groupe de 6. Il y avait moyen de déterminer le temps à donner à tous ces candidats. On n'a pas à faire tout simplement 1h30 pour un seul candidat. Mais c'est quelqu'un qui pourra être là peut-être pendant 6 minutes ou bien 10 minutes. Il parle de lui, on lui pose les questions, les autres lui posent des questions et chacun déroule. Et les journalistes pourra peut-être intervenir justement pour médiatiser ou bien pour faire le monitoring ou bien le médiateur entre les candidats. Les questions que vous avez répondu, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait peut-être une bonne forme et ça pourrait peut-être attirer beaucoup d'attention. Surtout, pour terminer ce chapitre-là, inclure les réseaux sociaux. Bossembe connaît que vous ne pouvez pas vous en passer de vos téléphones et de vos tablettes et de vos ordinateurs aujourd'hui. Le monde est numérisé aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rester sur RTNC
pendant que nous avons des images qui ne sont pas bonnes. C'est ça justement. Et c'est ça qui a fait que vraiment aujourd'hui on néglige ce programme-là. Que moi j'ai tant loué en disant que c'était un programme qui pouvait nous donner effectivement la connaissance de nos candidats, la connaissance de ces candidats, leur connaissance sur le programme dont ils veulent faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, il y a d'autres candidats qui ne savent pas parler, les autres ne savent pas parler français, tout ça. On va les découvrir comment. Et c'est dans le meeting. Koko Sawana contradiction et Kozala Naba meeting était. Donc on est parti déjà. Je pense que le train est parti, donc moyen à rattraper en haut et Zali Soussouté. Alors, pour le deuxième sujet d'aujourd'hui sur lequel nous allons réagir, c'est sur le renouvellement de la classe politique. Bandeko, vous êtes en train d'entendre Batou O, ba président, Baza Kolobake, non, Bobao, Bazala Kiba Miibi, ils vont se faire ceci, ils n'ont pas bien travaillé, Botali, Makambo Basalaki, Zaki Boye, Bango Bazala Kiboye. Félix, quand il est venu au pouvoir, il a trouvé les gens. Il a trouvé l'État congolais, et c'est cet État congolais, et c'est dans cette ambiance dont il ne pouvait que nager. Il ne pouvait que prendre les gens qui étaient disponibles, il n'était pas venu avec un programme, c'est ça que nous lui reprochons. Il n'était pas venu avec un programme, donc il était venu avec ses amis, Toke Tosala Moussala, Tonga Congo, Tosala Boué Boué Boué. Mais ce n'était pas planifié. Mais maintenant, aujourd'hui, nous pouvons réfléchir aujourd'hui en disant Toko renouvelé classe politique au Ndengenini. C'est ainsi que, pour appuyer un peu mon idée ici, je voulais casser que vous suivez cet extrait de d'un journaliste des réseaux sociaux, bien sûr, Israël Mutombo, qui réfléchissait déjà sur les candidats président de la République. Suivons et nous revenons après. Regardez ce que moi je pense. Félix Tshisekedi et Fayulu sont sortis d'une même école. L'école de Tien Tshisekedi. C'est-à-dire ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, si Fayulu arrive à la présidence, il fera du Tshisekediste. Ça sera la même chose. Même s'il pourra se démarquer dans Makabou, mais on verra la politique de Tien Tshisekedi. Parce qu'ils sont sortis de la même maternité. Si vous voulez de Katumbi, Katumbi, pour la première fois comme un politicien, il a travaillé avec Kabila. C'est-à-dire s'il devient président, on verra Kabila sous une autre forme. Si vous voulez parler de Bemba, c'est un ancien mobutiste. Il a été aussi avec Kabila. On verra la même chose. Vous voulez parler Mouzitu, Mouzitu a été avec Kabila, à travers Palou. Ça sera la même chose. Je pense que l'ère à présent, présentement, la population, vous devez oublier ces gens-là. Moutoua Koko Sauté, Félix, à Kokite, il faut la remplacer. Félix partira. C'est lui qui viendra, amènera le même discours. Le Congo a besoin d'un nouveau souffle. Le Congo a besoin d'une nouvelle classe qui ne dépend pas de Fayulu, de Félix Tshisekedi, de Bemba, de Katumbi. Où vous allez rejeter tous ces gens-là dans une maison. Retraite intellectuelle, politique. Créer une nouvelle classe. Vous ne pouvez pas continuer à soutenir ces individus qui autrefois étaient ensemble. Bato, qui peut comprendre que Mende la mer avec tous ces gens-là, Mende a comme porte-parole à l'Union Sacrée. Même attend la prophétie, vous avez comment on dit. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi n'est plus président de la République, vous mettez Fayulu, transhumance, tous ces gens-là vont changer. Si vous mettez Katoum, ils vont partir. Et à quand la fin de cette mélodie? Risque Zababen d'abiso 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, Tala à Josan Lango Lelo. Ce qui Fayulu a commis président ben dit 10 ans, ce qui Katumbi a dit 10 ans, ce qui Bemba a dit 10 ans, finalement, groupe Yabatouana Bayebana depuis San City, ba ko ben d'abiso 40 ans, nan to souka wapi. A joan ango lelo, so baxi 40 ans, kope vide, so yé so zongi ten anzo te so daye. Eri ango yo. To bo Yabatouana, to sala Yabiso, to bimisa elenge, a zo makambo, elenge wana aouta na bandako wana nyon sote, po bandako ba politicien, ezal kwa bandako banganga. Voilà la réflexion de notre ami sur les candidats qui viennent vous dire « Oh, oh, yakosa la boue, oh, yakosa la boue. » Il vous étale ici les origines de ces hommes-là qui postulent à la magistrature suprême. Il dit leur tendance. « Alobi, bao, basala kina Kabila, bao, basala kina Mobutu, bao, basala kina... » Et c'est la même chose. Et à la fin, il vous dit « Toluka mutu, oyo, yasika, nama mayele, yasika pona Congo. »
Avez-vous déjà vu travailler Katumbi? Oui. Mais Israël Moutomba Pessi ba défaut naï. Ba moussou koutou, je ne voudrais pas rentrer dans ces histoires-là parce que vous allez me coller des tendances ici. Le renouvellement de la classe politique, nous pensons que aujourd'hui c'est possible. Mais il faut qu'il y ait un chemin, une procédure à faire. Ce que Délice Sanga est en train de dire, je le complète en celui-ci, dans ce que nous prenons ici à Contact Pro Live tous les jours. Nous prenons ici la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Ce doit être un programme qui pourra peut-être sauver le Congo. Celui qui sait qui arrive au pouvoir, moi je pense qu'il faut qu'il réfléchisse sur ça. Travailler avec la communauté de base, avec le peuple congolais. Et ça va commencer comment? Nous avions conseillé au président de la République d'appeler les états de lieu de chaque territoire et donner le pouvoir de réflexion sur une nouvelle constitution au niveau des territoires. Faire des assemblées, des groupes de réflexion, peut-être dans une année, peut-être dans deux ans, celui qui prendra le pouvoir, par exemple. Parce que ici, depuis 2019, nous cessions de dire à Félix Tshisekedi, please, pardon, Tshisekedi, Fachi, Tobandela à zéro. Kobandela à zéro, on est à Kolobanini. Et ça, là, qui coupe sa banne en boca maloba, baloba. Nini en moi, ça, les maquepana bango, oba, oui, qu'on change. Nini en moi, ça, les maquanamboka, oyo, et sengeli, et bongwana. Bon, si quoi, biso toko banda kotonga ba pona, biso ndenge nini, biso moko toko banda kosala nini, bilangana biso toko. Quels sont les pouvoirs dont nous disposons pour gérer nos territoires, nos provinces? C'est ça qui a manqué. Et là, quand on a tolobé la kango, awa mikolonyoso, donner le pouvoir au peuple afin que le peuple puisse comprendre que, à part lui, moutoute koya ko tia sécurité awa nakati. Moutoute koya ko kosala moussala, oh biso to sengeli to sala. Moutoute kozala au-dessus nabiso, c'est nous, notre pays, c'est nous d'abord les acteurs principaux de ce pays. Et li, maloba wana soko ko pesa ki ango na peuple na 2019-2020. Aujourd'hui, nous serons en train de parler autre chose. Nous serions déjà en train de renouveler même cette classe politique qui est moura, qui est moribond. Regardez les élections, comment elles se préparent. Ezo kende. Batu oba koya na parlement. D'après ce que nous avions vu, la façon dont les gens se précipitaient à postuler, ba qualité à batouana, est-ce que vraiment y a un mot sengeli pour kende kozala na parlement? Beaucoup de gens baza kolinga kende kozala na parlement parce que ba yebi que corruption kozala. Majorité kozala te tango kozala majorité ya kozo majorité ba mbongo ko circuler. Alors celui qui sera au pouvoir sera obligé ya ko zo abatu et mbongo ko circuler. Donc c'est ça la visée de tous ces gens là qui se meuvent pour aller postuler ba comme ba député ba comme ba msusu bazo te kabanda kuna bango parce que ba msusu baza ko linga ba kende même pas ya seni azu bazo lo ba liste za wapi tout ça. Vous voyez comment ça se fait? C'est ça le jeu d'aujourd'hui et qui n'est pas vraiment correct. Ce jeu d'aujourd'hui n'est pas correct. Et comment les renouveler? C'est ainsi que nous avions dit au président Félix en disant, donnez la parole aux Congolais. Pendant que vous êtes encore là, pendant que le pays est en paix, il y a des solutions qui peuvent s'obtenir au niveau de la base. Par exemple, l'insécurité à l'Est. Likambo o ya batu ya ba M23 to lingin susu teke mutuazwa asimba mandoki po ya kozwa bokonzi na Kinshasa biloko wana ezali to linga yango lisusu te. C'est ça qu'il faut combattre. Mais to combattre ango nenge nini procédure o biso to mona ki ke ezala ki ya solo ki fallait implémenter, c'était la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Convoquer ces états de lieu de chaque territoire, renvoyer tous ces politiciens, tous ces députés bakende kosolola na ba groupe ata ya 300 personnes dans chaque territoire élucider par problème chaque territoire est à la Kanayango. Vous pourriez donner passer par exemple à ces états de lieux un mois en disant allez vous organiser, refondez-nous comment est-ce que nous allons commencer à élire par exemple les administrateurs des territoires Tokobananabangoapi. Et je vous assure que notre réflexion était celle-ci. Quand vous les renvoyez comme ça, vous jetez la balle dans leurs mains. Au Pessi, ba Congolais, opportunité, bokende kosolola na constitution asika, bokende kosolola na Congo asika, bokende kosolola, comment est-ce que l'insécurité, oui, aussi la kuna et pas na bino? Et nous avions dit ceci, na ba zone wana insécurité, zalaki, ba notable, ba député, et tous ceux qui ont pris les armes devraient se mettre ensemble, ba tuwaye ba ni kuna, ne vous en faites pas.
Mais tant que vous avez dit 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 province, vous avez dit que Kinshasa, boya awa to solola. Et c'est par là que nous nous sommes dit, c'était par là l'occasion de lancer l'identification de la population. Parce que problème, mon souci à Makasi, oh, ils ont un bon cannabis, ils ont un problème identitaire. Et je ne pense pas, naza comment on a un candidat, il y a un candidat. Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas tout simplement économique. Non. Ce qui se passe là-bas, c'est le problème identitaire. Batoubaye, banakate, batoubaza, bazana, l'État est alité. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui doit nous protéger tous. L'État devra s'imposer en disant, nous ici d'abord sur ce territoire ici, biso batovandi awa, na état de lieu awa, tozalie awa, toko identifier mutuna mutuna katia bande ya etuka na biso. Nous sommes à combien? Combien de langues qui est parlée ici? Combien de tribus qui existent ici? Nous nous identifions dans notre territoire et bandi wapi, suki wapi, ba mesure na biso za wapi, banani bazalaka wapi na wapi. Topesi bango carte d'identité. Et c'est là que nous nous sommes dit, et Zala qui mission ya Kozala, naba état de lieu, wana, il fallait Zala l'un de leurs missions, parce que naba état de lieu, moi j'avais dit qu'il devrait y avoir une partie politique, économique, na moussousou au parti, disons, parti ya ko élaborer constitution à Sika, na parti moussousou ya identification à population. Pourquoi? Parce qu'à l'Est là-bas, Bandeko. Problème identitaire ezako se poser avec acuité. Ce qui est commis dans Babiloko, c'est parce que l'identité n'est pas connue. On ne connaît pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Alors c'était là une des missions que nous nous sommes dit que nous devrions en principe donner à tous ces conférences-là, ces états de lieux qui devront avoir lieu dans les territoires. Dans le territoire, tant que tu vas vendre, baye bazana autorité ya koloba tokoye bana awa banani bazalaka awa banani bazalaka awa te. Et ainsi nous devions donner des directives. Il n'y a pas toi na tolobi, il n'y a pas d'exclusion et akolobela o muto azalaki kuna. Et puis vous alliez voir que au fur et à mesure que batu mususu bazako zo ba solution, les autres pourraient aussi se poursuivre lobi a biso tokotika la sima pona nini tokobunda pona nini na mutu o toyebi que ça fait 30 ans, ça fait 40 ans to vivaka na e awa aza congolais. La discussion sur la congolité devrait avoir lieu au niveau des territoires et avoir finalement une fois pour toutes un compromis en disant que voici la congolité, c'est celle-ci. Muto toyebani bakusu baza awa ba tembo baza awa banande bazalaka awa. Nous sommes à combien sur ce territoire awa? Alors ezana va procéder mususi yangwana na bayebisa kibino que non, abonnez-vous sur cette chaîne parce que nous expliquons comment, même dans le moindre détail, comment ça pouvait se faire dans les états de lieu de chaque territoire. Quel est le pouvoir qu'on pouvait donner, par exemple, au chef coutumier pour l'identification de la population? Quel est le pouvoir qu'on devrait donner au chef de groupement? Quel est le pouvoir qu'on devrait donner aux hôpitaux? Parce que biloko wana ifa yangonde mutuni, moi je vous assure que yangonde problème au Congo ezana yango. Bokoyoka ke oh bino boza ba congolais, vous êtes congolais sur quelle base? Nous n'avons même pas une carte d'identité. Toye banite toyo kanakate tos ba politique kakande mutwe divisa kabiso. Mais lorsque vous allez à Moulenge Zaba, vous allez trouver un peuple, vous allez trouver des rwandophones qui sont là, qui vivent mieux dans le temps avec les autres tribus. Mais tokomi kobanga na pona nini? Pourquoi est-ce que nous commençons à nous battre? Et cela, ça devrait être discuté au niveau même à bas territoire à Koloba. Batu o biso toyebi bango. Batu o bazabande konabiso. Batu o biso nde topesa bino mabele. Batu o, alors nous allons vous prendre comment? Nous allons définir votre statut et présenter ça maintenant au niveau provincial. Biso awa tondimaki ke batu o bazaba congolais. Nous les congolais, et tout le monde devrait copter ça. Et nous avions dit, au niveau des territoires, ce qui va masolo anesili, si ça pourrait prendre 2 mois, tango batu bazako zala identifier ba résolution wana ekozala ekomatisama na niveau à province pour que to harmoniser ba texte wana puto zui texte moko toke na ngop chaque province ye na texte na niveau à Kinshasa et au niveau de Kin maintenant on harmonise et c'est comme ça là, le peuple va choisir ces gens qui vont accompagner ces textes là qui sera commencer à réformer une nouvelle constitution. Puis, toutes les discussions là devront être faites na katia ba peuple na population.
population elle n'a discuté na kati nini elle n'a discuté congolité toutes les matières de la constitution bakoka ki kondima yango balobi awa biso boye 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 et maintenant les textes de chaque territoire réunis au niveau de la province pour que tout se comprendre ba qu'il tire au ezala kanini awa nini il faut ko longola qu'est-ce que nous pouvons adopter to adopter ngo na niveau à province ce qui toyé na niveau ya central maintenant pour toute la République démocratique du Congo et c'est à ce moment-là qu'on pourra trouver une nouvelle constitution pour faire passer au référendum Tobandeli ndesi yasika Tobandeli Congo yasika. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question de savoir comment est-ce que ce programme pourrait résoudre les problèmes sécuritaires à l'est de la République. Ça sera le sujet de notre contact pro live dans quelques jours. Donc abonnez-vous nombreux. Comment est-ce que toi aussi les salikambouana en sécurité na est? Moi je suis sûr que Batunyoso ou bah candidat président ils sont à côté parce qu'ils ne savent pas comment résoudre ce problème là de l'est. Mingi bazo kanisa ke non mando kinde muto aussi les sayango. Je vais vous donner une solution donc abonnez-vous ici pour que tant que toko zonga on a expliqué bino et ça serait peut-être profitable pour Batu ou bazana nuna bakunananité. Alors, je vais vraiment remercier beaucoup de gens qui s'abonnent. Chaîne Nabiso Ezo Kendeliboso, vraiment. Eza ko encourager ngai na ndenge moko bozo comprendre te. Je suis vraiment très content parce que nous commençons à approcher une étape où notre média n'est plus une média, un média sélectif. Il y a Batu Moko Boye, mais ça commence à venir. Batu Baza et Bele, Baza ko commenter, Batu Baza ko loba loba, Baza ko loba, Baza ko benga. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis, je vous remercie en tout cas une fois pour toutes. Donc, merci. On termine là pour aujourd'hui. Donc, abonnez-vous. Et on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.